étoile. Une étoile, où ça, où ça? Oh, holy shit. Pardon. Eh, bonjour. C'était bonsoir. Tellement improbable. Ah mais oui, on s'y attendait pas. Donc bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode, donc la dernière partie de ce speedrun live Simple Flip sur Super Mario Star Road, toujours en présence de Wasiril 90 et quelques. 92 ou 1, je sais plus, c'est pas important, de toute façon je sais rien. 92 plus 1. Voilà. Et du coup on se retrouve donc pour ce niveau. Pour ce niveau qui est un niveau très arc-en-cielique, très, très arc-en-cielique. Très épileptique. C'est un peu ça, c'est vrai. Et du coup c'est un niveau qui rappelle une espèce de course de Mario. Waouh, les murs qui sont à moitié penchés. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais ça ressemble vachement à une espèce de course dans Mario Kart, ouais. sur GameCube ou sur comment c'était, quoi cette console, sur une Nintendo 64. Qu'est-ce que je suis hein fait. Quoi? Ouais, ça rappelle des Mario Kart en fait, ce niveau là un peu. Ouais, il y a toujours une course arc-en-ciel, il y en a même deux dans le dernier. Hein. Ah bon? Ouais, ils sont sérieux quoi. Non mais regarde, il y en a deux, une remasterisée et une nouvelle. Oh la vache. Du coup il a récupéré une étoile Bowser. Ouais. Ou pas encore en fait, qu'est-ce que je raconte? Parce que du coup il va récupérer la deuxième étoile Bowser. Parce qu'il y en avait deux apparemment. Ensuite on va être... on avait eu Bof avant, et du coup on va avoir Bois. My boy! My boy! S'il te plaît, my boy! Oh my god. Ah voyez Bof, my boy! Oh mon dieu, je vais m'étouffer moi putain. Ah, comment ça se à la fin. Ah la vache. Donc cet épisode se tourne 3 mois après l'épisode de la partie 3. Moins 3 mois. Ah putain, non mais là en fait on a réussi à... Enfin, Cyril a pas fait trop son flemmard et du coup il a décidé qu'on... C'est toi qui a proposé d'arrêter hein. Oui, parce que je pensais que comme d'hab t'allais me dire non. Mais je dis jamais non. C'est toi qui viens jamais me dire en tourne. Attends, il faut que... Moi je m'ennuie des fois. Je regarde des mangas, après je regarde Boku no Pico, c'est génial, allez voir ça. Et oh, après voilà. Boku no Pico. Ah oui, mais dis-moi. Boku no Pico. Peux-tu m'en parler de... Mais c'est un manga qui parle de l'amour fraternel entre deux personnes. L'amour fraternel un peu... Oh, très fraternel, oui. T'as vu comment il s'est fait un peu... L'animation a été accélérée de ah un ouais. truc là. C'est chelou. C'est marrant. Alors, par contre, il faut le taper 3 fois, il y a que 4 trucs, hein, c'est chaud quand même. Ouais. Et putain, il correspond exactement au dernier Bowser du jeu, c'est normal. Ouais. C'est chaud ça. Putain, ouais. J'ai l'impression qu'en plus on avait une étoile, on avait une musique de Final Fantasy. Alors ça, j'ai pas eu le temps de le reconnaître. Donc du coup, oui, donc ton manga, ton parle-nous-en. Vas-y, je t'écoute. Oh putain. La musique. Donc c'est la fin du jeu. Techniquement, c'est la fin du jeu. I just read the longest fucking sign in the game. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris, pas grave. Non, en fait, ouais, je ferai peut-être un petit montage pour voir ce qu'il a dit, mais on verra ça. Ouais, on s'en fout. C'est clair. Si vous êtes anglophone, vous aurez compris. Sinon, vous allez vous faire foutre. Parce qu'on parlait pas en plus à ce moment-là. Alors voilà, on n'était pas concentré, on ne savait pas qui parle, donc on n'a pas eu le temps de comprendre. Biatch. Du coup, donc oui, donc continue de me parler de ton animé. Alors, Boku no Pico a écrit B-O-K-U-N-O-P-I-C-O. Est un manga qui parle de l'amour fraternel entre deux personnes. Et je vous laisse découvrir la suite tout seul. Voilà. Donc en gros, donc déjà ça se trouve sur internet. Oui. Forcément, ça se trouve. Je sais pas si c'est un manga par contre. Ouais. J'espère pas. J'espère pas. Bah, tu sais, il y en a des mangas un peu olé olé. Hein. Oui. Des mangas qui parlent de la corrida, tout ça. Ah, ça tombe plus vite aussi. Hein? Ça tombe beaucoup plus vite là. Ouais, toutes les animations étaient accélérées. En même temps, je pense que c'est parce que ça les faisait chier. Ouais. C'est vrai que c'était vachement long à attendre. En plus, là, c'est plus que 3 fois, tiens. Ouais, j'avoue, c'est en train de me dire. C'est 4. 4, bon, c'est pas plus que 3, mais voilà. C'est 4 quoi. C'est juste pour dire non. Mec, c'est pas 3 vies qu'il a, c'est 4. N'empêche, le machin, il est. Tu le jettes d'une hauteur de quoi? Allez, peut-être 1 mètre, admettons, si Mario fait 1 mètre de hauteur. Et le. Ah, ok. Il est entré, il est ressorti. Fuck it. Et du coup tu fais ça, tu fais tomber le boss sur les fesses et ça lui fait mal.
Voilà. Bon bon cucu. Voilà, non mais allô quoi. Tu ah, sors. Dur, quoi. Tu ouais, sors. De l'eau? Ouais, je sors de l'eau tout de suite. Oh mon dieu. Le mec à peine fatiguant. Fatiguant et fatigué. Ah oui, ça par contre. Oh, quoi que non, ça va. Enfin, oh, ouais, la dernière fois que je me suis branlé, c'était il y a un petit moment, donc ça va, je suis pas trop fatigué là. Ça te fatigue à ce point là? T'as aucune moi, endurance? C'est surtout de faire l'amour qui me fatigue, moi, c'est abusé. Ah quoi. Ouais, moi aussi. Ça me fatigue de pas pouvoir le faire. Je me clash moi-même. T'inquiète, ça fait 11 mois que j'ai pas fait non plus. Moi, ça en fait. À peu près 20 ans. 21? Ah, ça commence à faire. Vous savez, Cyril n'est pas si vieux que ça, hein, il a 21 ans. C'est ça, j'en ai pas 43. 43 ans, toujours plus haut. Comme dans VDM. Oh mon dieu. Voilà. Bon, du coup, étoile des pièces rouges, encore une fois. Couplé avec les 100 pièces, il faut bien, hein, parce que sinon, voilà. Bah oui. Sinon, c'est pas très rentabilisé. Sinon, ça sert à rien. Ouais, c'est vraiment le cas. Par contre, tu vois le niveau, il est bordélique à souhait là. Je sais même plus où on est dans le niveau. T'sais. À peine. Ah si, il y a un château qui a été déconstruit, reconstruit à côté en pièces, en kit. Alors là, la petite pièce rouge qui se trouve derrière. Franchement, il y a des endroits, mais il te place de ces trucs, mais. Tellement casse-couille, quoi. Tellement. Ah, donc une seule pièce rouge à récupérer, c'est fini. Je suppose c'est la dernière rouge. Ouais, il va sauter, tu vas voir, il va faire. Hop là, on saute pour la récupérer. Comme d'hab, on saute pour les pièces rouges. Il a récupéré avant que l'autre ait eu le temps de s'activer, hein, comme animation quand même. Très. Beau gosse le gars. Beau gosse. Bah, et je vois, il gagne encore du temps sur ses segments, c'est abusé. Hein. Ah. Il gagne encore du temps. Il y a Bon qui regardait là. Ouais, qui tournait en rond. Prochain segment, GG. Voilà, on a encore une répétition de lettres. Hein. C'est ça. Mon dieu, mais ces noms sont magnifiques. Mon dieu. Et donc oui, donc BOI c'est pour Bobomb Island, hein, évidemment. Ah bah bien sûr. Oui. on plonge dans les murs, c'est normal. On n'est pas baillé. Punaise. Par contre, j'ai remarqué ça, et c'est souvent le cas, quand on fait un speedrun, on le fait toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que, tu sais, en général, tu peux te dire, ouais, je peux faire cette étoile-là en même temps ou avant, ça change rien, parce que... Ouais. Donc qu'importe le sens dans lequel je l'ai fait, il faudra tout que je les fasse de toute façon, ouais. Ce que je veux dire. Bah franchement j'ai fait ça. Oh putain le genre de truc casse-couille. Tu sais c'est le genre de truc qu'il faut que tu ailles sur les bons trucs dans le bon ordre parce que sinon t'es électrocuté ou on te pète la gueule. Et en plus il a ouvert le... Mais c'est n'importe quoi. Not bad. Mais c'est n'importe quoi. Oh il est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles. Quoi? Tu connais pas cette musique de... L'arbre est dans ses feuilles. Mes souliers sont rouges. Non, les miens sont noirs. Ah bon? Ouais. Ah, les miens j'en ai pas, je suis pieds nus. C'est normal, t'es déjà que t'es SDF. C'est ça. Tu fais ah. En fait... What? Ce truc là, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas compris comment le faire. Alors je pense qu'il faut avoir un bon timing sur le jeter pour jeter et le... Et la récupération du bonbon, mais c'est vachement dur à faire mine de rien, c'est pas simple du tout. Oui, par contre ça se faisait déjà. En général, c'est comme ça qu'on récupère la première étoile dans les speedruns du premier. De Mario 64. C'est comme ça qu'on récupère ouais, la première étoile. C'est assez fun d'ailleurs. Moi, tu vois, du coup, comme je savais pas le faire, j'étais obligé de le faire traditionnellement, c'était casse-couille. Alors là, il va faire en sorte de tomber pile sur l'étoile parce qu'il sait qu'il a pas trop le choix. Bah, et oui. Bim! Une étoile torchée. Ça va être chiant à faire ça. Ouais, c'est pas facile. Ah, d'ailleurs, on est arrivé dans GG. GG, après il y a MIPS. Là je trouve pas le jeu de mots là, c'est chiant. Oh, ok, toque la porte. Gloomy Garden. Oh, that was so fucking funny. Je crois que même lui il a pas compris comment il a fait pour passer la porte, je crois. Ouais, ça doit être ça. il se moque de son. Fuck! Fuck! Il rigole en tant que nous. Le con. Putain. Une première mort du coup, c'est la première mort du jeu. Tu recommences! Le mec a 1h41, tu recommences! Il te reste 20 minutes! Oh punaise, c'est saut, c'est. Tu m'étonnes qu'il ait raté le premier parce que c'est hardcore! Oh mon dieu, je suis un peu malade! Un peu?
Tu es un malade mental. Ah putain. Au fait, dis-moi, est-ce que t'aimes bien le nom de la salle dans laquelle on est là? Parce que on est en fait sur salle, un site qui s'appelle sync-video.com pour synchroniser la vidéo. Ah, ça, c'est très sympa, hein, très utile. Hein. Et du coup, j'ai mis un titre pour la room, j'ai mis un titre. Ah, j'ai pas vu. Osef, raf de ta life. Osef, rien à foutre de ta life. Et moi, je me suis appelé Woptifn. Et moi, comme d'hab, je m'appelle Esper. Je sais pas. Woptifn. D'ailleurs, faudrait qu'il arrête parce que ce mec-là, c'est le mec le plus casse-couille du monde. Si j'ai eu du mal à faire. À réussir à encoder la vidéo 2, c'est parce que je ne retrouvais plus le fichier son de cet enfoiré. Parce qu'il avait mis un nom, mais je vais vous faire le screen et je vais vous le mettre maintenant. Il a mis un. Mais alors, le nom du truc, mais ça commence par J, ça finit par W, mais ça n'a aucun sens. Et je vous jure, j'ai failli les triper ce jour-là. Oh putain, et j'arrivais pas à mettre la main sur le son et j'ai dû faire tous mes fichiers son pour le retrouver. Hein. J'en ai bien fait le temps. Si t'es bordélique, quand t'es organisé, tu prends le fichier, tu mets directement quelque part, tu le retrouves tout de suite. Ouais, mais le problème c'est que je l'ai téléchargé directement. Donc je l'ai téléchargé et ça télécharge automatiquement, tu vois, donc dans mes téléchargements. Et en général, je les replace, mais je fais des copier-coller, tu vois, je les coupe pas, tu vois. Mm-hmm. Pour toujours garder une pièce au cas où dans le téléchargement. Une pièce à conviction, ouais. Et du coup, là, celui-là, tu sais, je l'avais téléchargé, puis j'étais parti faire quelque chose, je sais pas. Te branler Ouais, parti me branler, parti jouer, ou parti. Voilà, AFKKK. Nous sommes partis, Squadala. Squadala. Enfin bref, j'étais parti. Et du coup, je reviens, et puis moi, j'avais pas capté, enfin, j'ai dû fermer ma fenêtre Google, et hop, j'ai pas spécialement cherché le fichier. Entre temps, bah du coup, j'avais retéléchargé d'autres trucs et je me souvenais plus du nom du truc. Alors du coup, je regarde dans mes téléchargements, il y a un bordel monstre, enfin c'est normal quoi. C'est un téléchargement quoi. Et je cherche et je trouve que dalle. Putain, et j'ai dû faire au moins 15 fichiers son sur la trentaine pour trouver le truc. Bordel. Oh là là. Oh, triple kill. Bogos. Combo breaker. Non, triple kill. Triple kill. On est dans Call of Duty. Non, c'est plus genre Dota. on est dans Dota. Ah, je ne joue pas Dota. What? Il a écrasé la porte. D'accord, oui. Bah normal quoi. Tu savais pas qu'on faisait ça chez nous? Chez nous les portes on ne les ouvre pas, on les écrase. Et chaque jour on a des caves plein de portes pour les remplacer à chaque fois. C'est comme dans Zelda, je sais pas si tu connais Ocarina of Time. Dans Ocarina of Time, il y a des portes, c'est des fausses portes. Eux, ce qu'ils font, ils explosent les portes parce qu'il y a des portes qui sont fausses, tu vois. Ouais. Et ils les explosent à coup de marteau ou à coup de bombe. Oh, un petit coup de marteau dans ta gueule, ça te fera pas de mal, salope. D'ailleurs, c'est dans Hyrule Warriors, je conseille à tous, il est très bien. Tu récupères des bombes dès le début. Et genre, tu appuies une seule fois sur le bouton, t'en envoies 5 et c'est limité. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que dès que tu récupères ça, tu peux utiliser les objets avec tout le monde. Même genre avec Ganondorf quand tu joues avec. Donc t'es là, t'as un Ganondorf, tu balances des bombes et tu tires à l'arc. Et tu dis le grappin. T'es là, quoi? What? Du coup, ouais, c'est vrai qu'en ce moment. Enfin, en ce moment, t'as fait une découverte de Hyrule Warriors. C'est ça, j'ai fait ça. Il y a 5 vidéos qui sont actuellement sur ma chaîne. J'ai découverte en une heure de Hyrule Warriors. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est cela, toujours le lien dans ma chaîne de la description. Voilà, évidemment. Si je l'ai pas fait sur les deux premières vidéos, mais c'est pas voilà, grave. Voilà, justement, j'ai remarqué. Alors ah, que moi, je t'ai même mis dans une playlist. Oh la vache, c'est mignon. J'ai pas compris ce qui s'est passé ici, mais c'est pas grave. Faudrait que je fasse passer un niveau. Oh putain, alors là il est en mode invisible. Il est en mode invisible. Oui. Donc là il était obligé de sauvegarder. Il a débloqué en fait les casquettes d'invisibilité qui lui permettent donc de passer les murs. Mais on en a rien à faire parce que de base, même murs, avec, il ne le fait pas. Donc, c'est ça, même avant il le faisait sans. T'sais. Alors par contre, là c'est hyper casse-couille parce que tu sais pas vraiment où il doit aller. Ah. Lui apparemment il sait parce que voilà, mais il va dans des endroits, il récupère des numéros, mais c'est tout. D'accord. D'accord. Il va passer son favori quelque chose. Ouais. J'ai pas compris. D'accord, merci. Il a redit mais on a toujours pas compris. Voilà. Autre chose, un dernier truc pour Hyrule Warriors, c'est il y a toujours l'animation quand tu ouvres un coffre. Ouais. Il y a cette animation là avec tous les persos. Oh, attention!
Et cette animation là avec tous les persos de, quand tu ouvres un coffre important. Ouais. Et Ganondorf, il utilise pas ses mains dans lui, il shoot dans le coffre pour l'ouvrir. C'est sublime. What? Ah putain, je viens de faire ça, je viens d'éclater ma porte aussi. T'étais écrasé? La porte est intacte par contre. Je crois que j'ai pas la même force que Ganon. Non mais c'est un coffre, c'est pas une porte. Hein. Ah ouais, mais regarde, lui il écrase les portes, pourquoi moi pas? Ah, il a sympa un lapin. Ah oui, bah le traditionnel lapin dans les jeux Mario, hein, évidemment. Ok, et il passe à travers les feuillages. Bah normal, hein, faut bien qu'il sorte. Ah par contre, ça fait mal, mon gars, je crois que j'ai tapé le nerf. C'est, hein. C'est bizarre, ça, putain, ça continue, c'est une étoile cachée ça? Ouais, en fait, même dans la version. En fait, c'est un truc, c'est en dehors du jeu. Ouais. En fait, elle est même pas en dehors. Ouais, c'est en dehors d'un niveau, ouais. Parce que ouais. Oh. Ça me rappelle pour rentrer comme dans aussi dans Mario Galaxy, enfin le Mario normal, puis dans Mario Sunshine. Ouais. Sur la place avec le rayon de soleil. C'est ça. Oh, le niveau le plus chiant d'ailleurs dans Mario Sunshine. Oh, il est horrible ce niveau. Un niveau de flotte tellement casse-couille, franchement. Juste horrible quoi. Il y a sauf la course, si j'ai pas compris comment j'avais fait. Alors là par contre, ça va être hardcore. Là il a complètement fait son truc. Ah bah c'est surtout que c'est très très dur à faire là ce niveau là. Tu vas vite le remarquer, mais là en fait il est obligé de... Voilà, en fait il y a les plateformes qui bougent. Oh. T'as vu un peu le délire? C'était dangereux ça. Alors autant vous dire, ça c'est des sauts millimétrés hein. C'est fait pour en on fait. Doit hein. Être un on doit être speedrunner pour pouvoir réussir ce genre de niveau. C'est ça. Bah on doit surtout être un gros fan de Mario parce que là c'est vraiment ce que ça demande. Les niveaux actuels et prochains niveau des sections me fait très peur quand même. Secret gay et we gay. End gays and done. Quoi? Secret gay. Quoi? En même temps, donc ça c'est des niveaux qu'on peut débloquer qu'après avoir fait les normalement les 120 étoiles basiques. Et là en fait regardez, on voit Peach. Oh, la pute. Salope. Et le gâteau. Nous allons maintenant passer au 8 gays. En fait les 8 gays sont 8 étoiles secrètes cachées après les 120 étoiles du jeu. Et on les trouve dans les fesses de chaque personnage du jeu. C'est ça, enfin non mais elles sont bien planquées ces étoiles et Alors ça, il nous l'avait déjà sorti au tout début de la run. C'est d'ailleurs comme ça qu'il accède au tout premier niveau du jeu. Mais je pense qu'il va y retourner d'ailleurs. Presque. Presque. Oula, il a perdu beaucoup de temps là. Ouais, là il a perdu 10 secondes. Bah il a perdu beaucoup de temps là, il est tombé avant, donc c'est ça qui a fait perdre énormément de temps. Écoute cette musique. Écoute cette musique si tu la reconnais. C'est du... Zelda Wind Waker. Voilà. Oh les shit. Comme fucking epic. Faut vraiment avoir d'entraînement pour faire ça les gars. À peine. Wouh. Oh putain la vache. What? Les tonnes à peine planquées à perpète les oies. Et lui il s'en fout qu'on est de meilleur, il y a même pas. Exactement. C'est ça, oh putain. Ah ça c'était... Elle s'appelle les 8 gays parce que c'est vraiment les plus casse-couilles du jeu quoi. C'est des étoiles de merde. En gros, c'est pas des étoiles de PD. Ah, c'est pas des étoiles de PD, ça c'est clair. Non franchement là ouais, pour les avoir ces étoiles il faut vraiment être un beau gosse quoi. Alors là il passe dans le mur normal. Oui, comme avant. Comme tout à l'heure. La porte en fait elle est décalée par rapport au trou. Je pense que le trou est décalé par rapport à la porte surtout. Inversement proportionnel. Pas à la taille de ta bite en tout cas. Non. Alors là, déplacement dans le noir total. Ouais. Comme tout à l'heure. Ah bah voilà, tout à l'heure, le niveau qu'il a fait à la con là. Oh, holy shit! Ah putain, comment elle est dure à choper celle-là. Ouais. I do star replicas last. Oh la vache. Because they only exist at the end of the game. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est dit, tu vois. Donc ces étoiles-là, elles n'existent pas avant. Donc c'est pour ça qu'il est. Ah, les étoiles n'existaient pas avant que. Avant de faire les 120 étoiles, voilà. C'est ça. Donc tant que tu finis pas le jeu à 120 étoiles, tu ne peux pas récupérer les dernières. C'est les 10 étoiles du Warrior. D'ailleurs, tu vois, donc ça, c'est un niveau de Banjo-Kazooie. Ouais, je vois ce que tu voulais dire. Tu vois, c'était celui-là dont je te parlais. Donc on est obligé d'y revenir finalement. C'est plutôt pas mal. Ça donne une bonne illustration de ce que je disais. Et donc là, du wall jump de malade pour monter très très haut parce que bien évidemment l'étoile se trouve tout en haut. Plus haut, allez plus haut. Et voilà.
T'as vu, elle est, c'est une étoile de mer. Faut surtout savoir où elle est en fait, c'est ça le problème. Hein. C'est ça, mais même rien que pour y monter, faut le savoir, ouais. Quoi. N'importe quoi, tu sais. Et 124ème étoile. Avec une clé, what? Avec une clé, bien sûr. Bah, en fait, c'est comme c'est un niveau où à la base tu fais un boss, du coup, bah ils ont sorti la clé aussi, quoi. Donc dans chacun des niveaux, quasiment, enfin dans les plus durs des niveaux, ils te remettent une étoile secrète. Alors, c'est franchement chaud de les trouver. Donc là, normalement, il peut garder sa vitesse en faisant des wall jumps. Là, il l'a raté, mais... Il passe à travers les blocs. C'est quand il... Ouais, en fait, bon, ça c'est normal, ça. C'est classique, hein. Classicus, il peut d'ocus, quoi. Et donc, Mario Metal, et regarde, bim. L'étoile au niveau, au début du truc, quoi. C'est-à-dire que si tu la rates, bah t'es obligé de te retaper tout le niveau. Oh, c'est salaud. C'est tellement sale, mon gars. Ça, c'est sale, mon gars. Et là, du coup, il ne reste plus que 5 étoiles et il est bien parti, il a encore 28 secondes d'avance. Honnêtement, la dernière étoile qu'il va choper, elle se trouve très loin. Très très loin, parce que la dernière, c'est même pas une secrète, c'est une toute dernière. Qui se trouve encore derrière tout ça. Et là, donc, petit saut pour aller un peu plus vite. Ouais. Je fais même pas le début de la course. Genre hashtag rien à foutre. Hashtag lol Osef. Oh my god. Hashtag lol cassé. T'as vu comment il fallait monter haut à ce coup là? Ça c'est chaud ça à faire. Oui. Je le conçois. Je pense qu'il faut récupérer une étoile, un truc de vol, c'est une casquette de vol pour y aller en temps normal. Sans doute. Parce que ça à mon avis, ça c'est du truc hardcore à faire. Donc il va rentrer dans les 8 niveaux, dans 8 niveaux différents, là, évidemment, pour choper les dernières étoiles. C'est franchement... Ardo, ça, ce qu'il fait. Hein. Ces étoiles-là, tu sais, toi, Cyril, comme moi, on mettrait 30 minutes rien qu'à les trouver et 30 minutes à les choper. Tellement. Chacune, hein, c'est même pas genre... Toutes, c'est chacune, quoi. Enfin, celle-là, ça va, t'es pas trop dur. Petit take de match, two save a star. Hein. Mais celle-là, tu vois, celle-là, elle est pas dure à trouver. Enfin, elle est pas dure à trouver, mais faut retourner dans ce niveau-là, quoi. Ouais. C'est le seul truc, quoi. Puis là, il est obligé de faire des détours de malade pour y arriver. C'est. Ouais. Qu'est-ce que ça me ferait chier, moi, de refaire tout ça quand t'es un speedrunner. Tellement. C'est tellement plus simple si les étoiles, elles apparaissent direct, quoi. Mais non. Il y a les étoiles qui apparaissent devant toi. Tu sais, tu finis une étoile et là, tu la vois qui apparaît direct. Oh, bah, c'est cool. Alors évidemment, sauter dans la fenêtre, hein, en mode suicidaire. Défenestré. Ah, niveau grand petit. Non. Apparemment les Goombas ils étaient très grands, hein, quand même, hein, parce que c'est pour la taille qu'ils faisaient. Puis là tu me diras la taille des fenêtres, enfin des feuilles, elle est un peu grande, je trouve. T'as déjà trouvé de la logique dans un jeu de Nintendo, toi? Moi? Voilà. C'est vrai que t'as pas de tort sur ce coup là. Ah, alors un fail. Je crois qu'il nous avait déjà fait le même coup la dernière fois. Il est nul, c'est tout. Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Allez, on recommence. Il te reste plus que 5 minutes de vidéo, mais on recommence. Et voilà, on revole. Ah. Et il en chie là, il en chie, je vous le dis. Alors, elle se trouve où cette dernière étoile? Ah, le canon. Le canon à neige. Le canon tout court. Ah bah je trouve tout en haut, hein, forcément. Hein. Bah, on peut pas l'atteindre directement avec le canon, donc je vais faire comme ça. Ouais, il va faire comme ça. En fait, il va faire ça. En fait, le fait de pouvoir triple sauter, ça te fait ouais, ça te fait envoler. Voilà, ça te fait envoler, du coup, ça te fait un saut en plus et ça te fait remonter très haut, quoi. C'est cela. Plusieurs sauts successifs sur des plateformes comme ça, c'est hop. Et tu vois donc one of the secret stars. Donc plus que deux les gens, plus que deux. Lazy, oula, il me reste plus que 5 minutes, faut pas que je fasse de la merde. C'est clair, là, dans 4 minutes c'est fini, je perds mon record. Faut pas que je... Et j'aurais pas dû 2 dans ma vie. C'est clair, oh putain, bah, tu t'imagines. Puis en plus j'ai pas vérifié s'il avait fait un nouveau record parce que je suis pas allé sur sa chaîne récemment, mais ça c'est pour faire croire que je m'intéresse à sa chaîne. Mais ouais, du coup, non, n'étant pas allé sur sa chaîne pour voir s'il avait fait un nouveau record, du coup. De toute façon, quand j'ai fait un nouveau record. En fait, il en a fait un nouveau, il a démarré une demi-heure. Gros glitch. Bah, dis-toi que la version. Alors, oh, ça putain, oh my god. Trop hard. Regarde où est-ce qu'elle se cache l'étoile.
quoi? Il s'est fail. Oh, sale. Eh non, mais elle est dure à avoir celle-là. Parce qu'en fait, voilà. Mon dieu. Il a fait le truc qui... En fait, des fois sur le jeu... Ouh, 1 minute 12 d'avance, son précédent segment. Ouais, il est content là. Donc 1 minute 41. Et donc là, on arrive là. Plus ouf. Mais du coup, donc moi, ce que je disais, c'est que... En fait, des fois, ça arrive que quand vous voulez faire un saut en longueur, en fait, il arrive que vous n'ayez pas assez de longueur, que vous sautiez et qu'en fait, vous retombiez, enfin, vous fassiez une charge au sol, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, c'est... Mais celle-là, elle est très très dure à avoir. Vraiment, c'est la pire des étoiles à choper dans le jeu, quoi. Celle-là? Non, c'est bah, la dernière, l'avant-dernière, là, qui a chopé, la 129ème. Ah. Et donc là, il doit remonter tout en haut. Il doit aller donc chercher la dernière étoile. Et il a moins raté. Là, raté là, ça aurait pu être fatal, je pense. Bah, il a encore. Ça va parce qu'il a encore 1 minute 40 d'avance, mais c'est vrai que au final, là, ça pourrait vraiment être fatal. Donc voilà. Merveilleux saut. Donc là, c'est là, vraiment la dernière étoile. Elle se trouve tout en haut du château. Sur une espèce de plateforme au niveau du toit. Et cette étoile là, elle est vraiment hard à aller choper parce que. Vous allez encore devoir repasser devant Peach, la pétasse. et franchement, c'est saut-là, mais monstrueux, quoi. Bah ouais. Voilà. Donc là, dévoile. Il y avait Yoshi, aussi Yoshi à gauche, là, si t'as remarqué. Ouais, il y a Yoshi à gauche. Et donc là, regarde, il va aller donc à ce niveau-là pour choper la dernière étoile. Et 1h58 minutes et 57 secondes, donc 1h43. Bravo. 1 minute 43 d'avance, donc... Ah, et ça arrête net comme ça, ok. Et oui, bah bien évidemment, c'est un speedrun, donc on va combler avec des petits passages de mon speedrun à moi. le gros mec. Non, on va peut-être mettre un petit bout de tes vidéos de Hyrule Warriors, comme ça, ça fera un petit pub pour ta chaîne. C'est cela. Donc, voyez, vous voyez actuellement, parce que nous pas, mais des images de Hyrule Warriors de vos Cyril. Qu'il faudra que je te chope, putain, vas-y, ça fait chier. Ah, c'est un bon jeu. Mais voilà, donc du coup, on va vous laisser avec une petite minute trente, de la découverte, de Hyrule Warriors de moi, Cyril. What? En tout cas, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cette run? Parce que franchement, abusé quand même. Hein. Ouais, c'est on voit le niveau qu'il faut avoir pour être bon. Parce que déjà, le jeu en lui-même est assez hard. Tu vois déjà, tu fais putain, déjà rien que pour finir à Mario en moins de 2 heures, il faut y aller. celui-là, vraiment, il est vraiment hard et en plus de ça, fait en moins de 2 heures, c'était le world record. Donc, par Simple Flips, donc un des meilleurs. Il y a Siglemic qui est très bon aussi, mais je crois pas qu'il se soit attelé à celui-là. Aucune idée. Siglemic qui est très bon aussi sur ce jeu-là, vraiment, c'est un pro. Hein. D'accord. Sur Super Mario 64, hein, surtout, hein. Pas sur celui-là, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais sur celui-là, en tout cas, c'est sur Super Mario 64, c'est un vrai. D'accord, ok, oui, ah, ok, ok. Hashtag, ouais, okay, hashtag je raconte la vie de tout le monde. Hashtag je m'en fous complètement. Voilà, espèce d'enculé. Du coup, bah merci d'avoir participé à ce commentary. Merci d'avoir accepté de le faire avec moi. Du coup, donc, bah, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, regarder Hyrule Warriors. Moi, toujours, d'autres choses, hein, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, c'est les dernières vidéos en date, évidemment. Moi, je vais m'empresser d'aller les regarder parce que sinon il va me taper sur les doigts. Voilà. Ça dure une heure si t'as envie. Hein. Mais du coup, en espérant que cela vous plaise et que cela vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour un prochain speedrun ou un prochain Taz. Bye bye tout le monde. Ciao.